Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour un nouvel épisode de Planet Coaster. On se retrouve ici dans notre zone romaine pour probablement le dernier épisode. Là, vous vous souvenez que dans les derniers épisodes, on a terminé toute notre promenade ici. On a également placé notre temple ainsi que tout le tracé de notre attraction. Bon, plutôt pour enfants, oui, il y a des endroits un petit peu effrayants, mais globalement, ça va. Sacré prestige. Par contre, comme vous le voyez, genre là, vous voyez, au niveau enthousiasme et peur, on est très très bas. Mais c'est pas grave, c'est ce qu'on veut. On va peut-être essayer de monter un petit peu l'enthousiasme avec des choses ici et là, on verra. Et dans le dernier épisode, on a fait notre magnifique labyrinthe, dont je suis toujours aussi content maintenant. Alors beaucoup m'ont dit, ah, t'aurais dû mettre les haies plus hautes. J'aurais pu, mais bon, tous les labyrinthes ne sont pas forcément très hauts. Moi, j'ai déjà fait des labyrinthes. On en voit beaucoup, genre dans les jardins de palais et des choses comme ça. Et là, c'est exactement ça. On a pas mal de labyrinthes qui sont pas très hauts. C'est plus des labyrinthes décoratifs qu'autre chose. Après, qu'est-ce que vous en pensez de l'idée de mettre des gardes pour bloquer les passages? Pour bloquer les passages qui ne doivent pas être utilisés, qui sont des cul-de-sac, c'est vrai que ça pourrait expliquer ça. Et l'autre chose que certains ont proposé, c'était de mettre un fast-pass ici. J'étais pas parti sur le fait d'avoir un fast-pass pour cette attraction à la base, parce que c'était juste pas l'idée en fait. Je la voyais pas comme une des grandes attractions, mais en fait, ouais, elle est en train de devenir une grande attraction. Bah, vous savez quoi, pourquoi pas? Alors, est-ce que je la veux ici, du coup, genre direct, boum boum? Ça m'étonnerait même pas que ça bug un peu. Donc, vous savez quoi? On va prendre ça. Et du coup, pour faire ça, il faut que je vienne ici. Alors, activer les passes prioritaires. Oh, ça les a fait bouger, mais c'est bon. Placer l'entrée des passes. On va la mettre là, du coup. Oh! Ça a jarté tout le monde? Bon, attendez. Placer la sortie des passes, on va la mettre. Genre. Là, c'est pas mal. Voilà, relier la file des passes. Donc là, on va. Ouais, c'est ça qu'on veut. Tac, tac. Du coup, peut-être un peu plus large si on peut. Ouais, je peux pas. Hop. Et eh ben on va la mettre en diagonale comme ça, mais sans qu'elle se voie. Je pense que ce sera mieux comme ça. Et du coup, bah voilà, on a nos fast-pass ici. La seule chose qui va rester à faire, c'est hop, enlever, si j'y arrive, voilà ça. Et celui-là, on va le décaler aussi. Allez. Du coup, toi, t'es dans ton. Ah, c'est ridicule ça. Bah vous savez quoi, on va le bouger comme si c'était. Voilà, et du coup, bon, elle s'appuie sur le buisson, c'est pas grave. Ok, du coup là, terminé, hop, on revient, et si j'enlève la pause, normalement c'est bon, tout marche. Waouh, regardez ça. En plus, ouais, le fait que tout le monde ait soif, je mets plein de trucs de boissons ici, mais en fait, si je regarde, si je clique sur eux, c'est pas par ici qu'ils ont soif, c'est toujours dans la zone western. Et une partie de moi a envie de dire, ah bah attendez, on va rajouter des trucs, une autre partie de moi a envie de dire, ouais, mais c'est la zone du désert, du coup ça se tient, du coup tant pis pour eux, on va garder ça comme ça. En vrai, on verra plus tard. Du coup, c'est pas mal. Donc, le fast-pass évite pas tout. Hein. On doit quand même faire tout ça de queue. Mais on évite quand même la majorité. Donc, ça me paraît assez réaliste. Et. C'est quoi ça? Ça m'a pris la. Ah, ça m'a peut-être pris la. Ah, vous savez quoi? Ça m'a pris la mauvaise couleur, je pense. Ça m'a pris cela. Alors que je veux que ça reste quand même comme ça. Voilà. Voilà, maintenant, il n'y a plus de jonction moche. Super! Et maintenant, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus des gars avec les fast-pass quand même. Les premiers qui sont arrivés là déjà. Oh ouais, il y en a pas mal. Bah, je peux le voir assez facilement. Gestion du parc. Prix des tickets. Non, c'est. Statistique peut-être. Non, 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 non. Ah voilà. Attraction et tickets. Ta 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 ta. Vente de tickets d'entrée du parc, 10 000. Ah, plus prioritaire que 60. Non, ah ouais, mais c'est parce que c'est le mois en cours. 320, 420. Ouais, ça commence à être un peu mieux, donc c'est plutôt sympa. Et ah oui, et certains me disaient que je devrais réduire le temps minimum. Je pense vraiment que ça ne changera rien, mais hop, on va désactiver ça. Donc il n'y a pas de temps minimum. Donc si jamais la voiture repart tout de suite, c'est très bien. Toi, tu viens. Est-ce que lui, du coup, il ralentit? Ah, personne ne part pendant qu'il est en train de regarder.
Ok, très bien. Et bon, alors, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler jusqu'à maintenant. Ce que vous avez vu au début de l'épisode, c'est notre mont Vésuve qu'on est en train de mettre là. C'est quelque chose que beaucoup m'avaient proposé. Et je me suis dit, pourquoi pas? Alors, le rendu est pas parfait in-game, je vous l'avoue, hein, parce que globalement, on est limité, il n'y a juste pas de lave. Donc j'ai mis des lance-flammes qui descendent la montagne comme ça avec un petit lac de lave ici. Et j'en mettrai un autre là plus tard quand je ferai cette zone-là. À côté de la gare. Et là, en fait, vous avez vu, j'ai juste mis des plaques rouges avec du feu en dessous. Là, j'ai même pas mis les plaques rouges parce que ça sert à rien. Ça me dérange juste que les lance-flammes soient et tous exactement la même forme, mais j'ai regardé et même s'ils sont pas tous à la même hauteur, on s'en rend vraiment pas compte. Donc, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas. Je pense que je retravaillerai un peu le placement des rochers, des choses comme ça. J'ai pas envie de le couvrir de rochers. Je pense que ça rendrait mieux, mais. De un, j'ai pas envie de passer le temps à le faire, et surtout, de deux, ça va trop ralentir mon jeu qui est déjà, qui commence déjà à le sentir. Hein. Mais bon, et oui, malgré la 980 Ti. Alors, pour ça c'est, je comptais pas le faire, mais il y a eu plusieurs personnes dans les commentaires qui m'ont suggéré, c'était de mettre cet arc de triomphe comme entrée. J'ai testé comme entrée et comme sortie, ça marchait pas vraiment. Du coup, je l'ai mis juste comme entrée. Voilà pour les souterrains. Et par contre ici, je pense que j'ai envie que ça bouffe un petit peu. Voilà, on va juste lisser un peu. Ouais, c'est pas mal. Ça ressort pas trop comme ça. Et donc voilà. Donc là, on a notre entrée ici. Je sais pas si ça vaudrait le coup. Est-ce que je peux changer la couleur? Ah, je peux changer la couleur des briques. Je ferais bien quelque chose d'un peu plus foncé, moi. Juste au moins sur cette partie principale. Pour signifier le fait que bah, on rentre dans l'antre des ténèbres. Bon, je trouve ça un petit peu mieux comme ça. C'est un peu chelou parce que le reste est clair, mais bon, ça, j'ai pas envie d'y toucher. Bah, de toute façon, je peux pas, donc voilà. Et du coup, j'ai fait bon, bah, tout l'intérieur ici. Et ah, j'ai oublié cette façade-là. Voilà, qui est beaucoup mieux. Voilà. D'ailleurs, vous n'étiez pas convaincu par ça, et surtout. Comment dire, le crâne. N'oublions pas que c'est pas vraiment. C'est une zone romaine, mais pas vraiment. C'est les enfers, hein. C'est le Styx. Donc. Enfin, non, il n'y a pas le Styx d'ailleurs. Oh, il n'y a pas le Styx. Bon. Et donc, ça me choque pas, moi, que ce soit pas différent. Et oui, je sais très bien que le crâne serait cool dans la zone pirate. Il y sera, vous inquiétez pas. Mais la quantité de trucs que j'utilise dans plusieurs zones. Vous inquiétez pas pour ça. Voilà, donc du coup, on a fait toute cette partie-là. Maintenant, il va y avoir toute la partie ruine ici. Alors, ce bâtiment-là, je l'adore. Je le trouve vraiment très très cool. Je vais voir, est-ce qu'il y a moyen que je le place, genre, ici? Ah, ça me paraît possible. Ça me paraît possible de le placer là. Et du coup. Ouais, non, je pense que je vais essayer de le mettre là. Oui, il va falloir que je le modifie un petit peu, notamment que j'enlève bah, une grosse partie ici. Je sais pas ce que ça va rendre sans les arches, mais on va verra bien. Ah oui, il n'y a pas de. Oh, si, il y en a des arches qui font que la moitié. On va essayer de voir ce que ça a donné. Moi, je pense que ça peut être assez cool. Voilà, du coup, j'ai réussi à poser le bâtiment. Là, vous voyez que ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement. Bah, casser tout ça. D'ailleurs, je vais juste changer quelques petites choses. Là, la porte, on peut la retirer. Toi, on va te monter un petit peu par ici. Ça, je pense qu'on va pas y toucher. Ce côté-là, ça paraît bien. J'ai enlevé pas mal des lumières, mais pas toutes, parce que il était genre pré-éclairé ce bâtiment. Ouais, on va laisser ça, c'est sympa comme éclairage. Par contre, en fait, un truc qui va beaucoup changer, c'est que bah, vous avez peut-être remarqué, pour l'instant, il n'est pas encore en ruine. Et l'intérêt de cette zone, c'est que j'ai envie qu'elle soit en ruine. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Bah, notamment là, genre, bon, devant, je vais creuser un peu. Voilà, pour que la porte soit au bon niveau. Ouais, quoique ça fait très bas quand même. Hein. Bon, on va laisser comme ça et puis je peindrai par-dessus. Par contre, ici, ça me semble dommage de complètement enlever ça. Moi, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais un petit peu le réduire quand même. Mais après, ça va simplement être une sorte d'éboulement de la montagne. Et d'ailleurs, ça rentre pas trop trop dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, on peut l'attraper. Et en fait, on va casser toute cette partie-là. Je pense qu'on va laisser. Plus ou moins la façade, on va quand même, tiens, on va quand même casser quelques petits trucs, genre, ah, ça fait bizarre, hein. Non, ça fait trop bizarre de l'enlever,
Peut-être ça, tiens. Ça, je peux pas. Ah non, c'est un toit. Ah mince. Ah bon, bah écoutez, je vais trouver des trucs à casser. Hein. On va voir ce qu'on peut faire. Et voilà qui me semble pas mal. Donc on a cassé pas mal de choses. C'est dommage, hein, c'est un joli bâtiment. Mais je trouve que ça rend bien. C'est toujours un bâtiment, il se tient toujours, mais bah, ça se voit qu'il est en ruine. La seule chose qui me dérange, c'est les couleurs. Je les trouve encore trop propres. Mais en même temps, je sais pas si je peux. Enfin, vous pouvez voir qu'est-ce que ça donne si je change juste quelques couleurs par-ci, par-là. Genre, je les change pas trop. Ouais, non, c'est pas beau, hein. Je pourrais voir, limite, pour changer toutes les couleurs et les faire un peu plus moches, mais je peux pas faire des petits patchs de couleurs ici et là. Donc pour l'instant, on va rester là-dessus, ça paraît quand même plutôt cool. Donc ça nous fait le coin de ruine. Ici, je veux donc mettre mon amphithéâtre. Tiens, je me demande si je vais. Est-ce que je le mets dès maintenant, l'amphithéâtre? Ouais, il me reste, je les ferai après. Et ensuite, du coup, là, il va y avoir pas mal de choses à faire. Ce bâtiment-là, je pense qu'il mérite d'y figurer aussi. Je sais que je prends beaucoup d'assets hein, pour cette zone, mais en même temps, je l'avais dit que dès le début que celle-là, j'avais envie de le faire pas mal avec les trucs de la communauté. Lui, je sais pas trop s'il marcherait en fait. Où est-ce qu'il pourrait aller? Je suis pas sûr. Hein. Faudrait il faudrait qu'il aille contre quelque chose parce que bah, l'arrière doit pas être visible. Et ça, c'est pas possible. Là, on va juste mettre de la végétation par là. Ah, il pourrait aller là. Ah, il pourrait aller là, mais on va le voir de l'autre côté. Juste pour voir, qu'est-ce que ça donne si on le met là? Si on le met là, ça ruine. Ouais, ça ruine complètement la vue d'ici en fait. Quoique. Ouais, enfin, faudrait le rendre plus joli. Non, je pense qu'on va pas le mettre là, tant pis. On le mettra pas ce bâtiment, c'est dommage, je le trouve assez cool. Mais on verra si on peut le caser ailleurs, je suis pas sûr. A priori, de toute façon, il va y avoir que des tout petits bâtiments. Est-ce que j'ai autre chose? Petit mausolée, qui est pas complet d'ailleurs. Non. Non, bah, je pense qu'on va faire nos propres petits bâtiments ici, mais on va commencer d'abord par le chemin qui va venir ici, qu'on va faire ensemble, et qui va sans doute être, je dirais, là. Et voilà ce que donne mon chemin. Alors je suis désolé, j'ai pas l'enregistrement, j'avais malheureusement désactivé, j'ai oublié de le réactiver, mais du coup voilà ce que j'ai fait. Donc vous vous souvenez qu'on avait notre chemin qui arrivait ici, donc on arrive là tranquillement. J'ai fait une petite place carrée, je pense que ça peut être une bonne idée pour mettre une fontaine ou quelque chose, de manière générale que ce soit pas juste. Une rue. Ensuite, on arrive ici, on descend un escalier, on arrive sur une petite avancée où là, en fait, je compte mettre un bâtiment un peu pas circulaire, mais qui encadre ici et mettre peut-être une boutique là ou une boutique là. Et ensuite, on peut traverser ici, descendre par là et hop, on rejoint à nouveau une des avenues principales. J'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment cool. Ça manque peut-être d'autres embranchements. Et moi, ce que je pensais faire, c'était mettre à la limite un chemin, genre ici, mais qui s'arrête parce que ça a été délabré. D'ailleurs, oui, c'est une bonne idée, ça. On va faire ça. Bah, peut-être juste l'arrêter là, à vrai dire. Ou non, vous savez quoi? Mieux. Mieux que ça, on va sélectionner voilà, on va sélectionner la grille, on va lui mettre un bord carré. Voilà, comme ça fait très truc qui s'avance. Et là. Faire, je sais pas, genre. On désactive la grille, on fait oups, paf, paf, et on s'arrête là. Ouais, je suis pas sûr pour celui-là. Pour celui-là non plus. Bon, écoutez, on verra plus tard, je suis pas convaincu. Par contre, ce qu'on a envie de mettre au milieu, c'est assez clair. Quelque chose que j'attends, que j'ai envie de placer. Oh, ça, faudrait que j'en place pas ici. Oups. Quelque chose que j'attends de placer depuis longtemps, c'est celui-là. Ouais. Donc celui que j'en ai qui font 1 x 1, 2 x 2 et 3 x 3. Et je trouve qu'ils sont tous. Ah, celui-là est un peu trop petit en fait. Qu'est-ce que ça donne si je prends le. C'est quoi? C'est le. Oula. Non, celui-là est beaucoup trop. Ah! Beaucoup trop gros. Et qu'en est-il de celui-là? Est-ce que celui-là pourrait aller? Ou est-ce qu'il est trop. Non, il est trop grand. Hein. Bon, bah, on va prendre celui-là et on va mettre des buissons autour, quelque chose comme ça pour cacher le fait qu'il est un peu trop gros. Ou alors je rapetissis les allées. Ça n'a rien changé, donc je suppose que c'était déjà la taille minimum que j'avais. Donc on va laisser ça comme ça, et on mettra des petites fleurs et des trucs autour pour. Quoique. C'est pas choquant en vrai comme ça. On le laissera peut-être comme ça. Est-ce que. Qu'est-ce qui se passe si on monte un peu ça? Non, ça vaudra pas le coup. Ok, bon, on va laisser comme ça. Alors où est-ce que j'ai envie. J'ai absolument envie de passer les autres parce que vraiment je les trouve très très cool.
La fontaine va être la plus difficile à placer parce que c'est la plus grande. Quoique, si je la place en main, plein milieu là, ça devrait rendre plutôt bien. Je sais juste pas où je vais placer l'autre, le troisième taille intermédiaire. Bon, alors on peut le placer là. Bon, c'est rien de spécial, hein. Et vous voyez que du coup, si je remets le temps, il a le même jet que lui. Hein. C'est le même. D'ailleurs, toi, merci pour tes bons et loyaux services. Hop. Tac. Cool. Où est-ce qu'on va mettre les derniers? Et où je m'en suis rappelé, il y en avait un autre que j'avais téléchargé, que j'avais beaucoup aimé. Après, je vais pas forcément tout reprendre. Je le trouve super cool. Je pense qu'il irait ultra bien par ici. Après, il est un peu grand. Je pense qu'au minimum, j'ai envie de garder le truc central. Mais je sais pas. Peut-être que je pourrais le caser par ici. C'est assez gros. Hein. Ah là, sinon. Mettons en hauteur. Et évidemment, c'est pas en un seul bâtiment. Je sais pas si c'est un choix que tous les gars font en mettant sur le workshop ou s'ils ont plein de choix. On pourrait peut-être. Alors attendez, si on a notre bâtiment là, là on a de la place. Et c'est pas mal ça en plus. Ah, j'aime bien ça. Comme ça, on le voit depuis le chemin. Ouais, j'aime bien cette idée de le mettre là. Voilà, donc là je l'ai placé là, on a placé les trois, et est-ce qu'il y a assez des petits trucs que je voulais placer? Bon, les petits piliers, pourquoi pas. Ah, ça fait un petit bâtiment. Oh, j'aime bien les décos qui sont sur le côté. Est-ce qu'on pourrait le placer quelque part? Non, on pourrait peut-être le placer genre par ici. Là, contrairement à l'autre, ça ne cachera rien. Je compte enlever hein, ce qu'il y a dedans. Ceci dit, le laisser pour avoir un magasin, c'est pas forcément une mauvaise idée. Si je peux le mettre genre comme ça. Voilà, on peut le placer ici et par contre du coup on va vouloir couper cette avenue-là et donc du coup enlever les toilettes. Allez, voilà. On enlève les toilettes qui sont là. On va enlever ça. Mais est-ce qu'on a envie d'y mettre autre chose? C'est pas forcément une mauvaise idée. Ouais, vous savez quoi? On va mettre des toilettes parce que c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup d'exemplaires pour l'instant. Oui, voilà. Hop. Et c'est pas quelque chose que j'ai envie de regretter par la suite. Hop. Pourquoi toi tu fais pas partie du bâtiment? Voilà. Ah, on place là, ça c'est une bonne idée. Là ça rend bien. Et donc ça, bah vous savez quoi? Ça en fait on va faire la même chose. Et en fait on va le bloquer. On va mettre. Ah, mais non, on va juste mettre un mur derrière. Regardez, hop. Et voilà, deux petites fenêtres ici. Ça rend plutôt bien. Et on a nos toilettes là. Super. Donc là, on a notre premier bâtiment. Oh, on a déjà quelqu'un qui vient. Super. Ah, ouais, en fait, il y avait vraiment besoin des toilettes. Alors maintenant, il faut que je mette autre chose. Un truc que j'ai absolument envie de mettre dans ce coin, c'est un distributeur de billets. C'est quelque chose que j'en ai pas mis assez. Voire pas du tout par ici, je crois. Faut que je trouve un endroit pour en remettre d'autres parce que j'en ai genre. Un à l'entrée, deux dans le western, et c'est tout pour l'instant. Donc, faut que j'en mette un par là. Mais où est-ce que je vais les mettre? Donc, là, je veux faire un bâtiment. Donc, ça, je vais le faire moi-même. Et là, on a dit qu'on voulait mettre. Ah oui, on voulait mettre la haie qui est au-dessus, du coup. Alors, attendez, parce que je vais le passer séparément, parce que sinon, je vais me retrouver à supprimer les éléments un par un. Ah, et c'est vrai qu'il y a ça aussi à faire. Oh là là, il y a l'amphithéâtre. Enfin, Oui, c'est ça, l'amphithéâtre. Ah oui, d'accord. Regardez, en fait, ça correspond au grillage. What? Mais attends, il l'a fait avec quoi tout ça? C'est des échelles? Non. What? Ouais, non, là, je suis impressionné. J'aurais pas. En fait, ouais, j'ai de la patience. J'ai vraiment envie de faire des trucs de malade. Mais j'ai pas autant de patience que ça. Donc, quand je vois des gars qui font des trucs comme ça. Je suis aussi impressionné que vous, c'est. Wow. Alors, où est-ce qu'on va mettre ça? On va le mettre par ici, je pense. Genre, c'est mal. Pourquoi est-ce que ça veut pas? Une obstruction de quoi? What? Ah, ça doit être Ouais, d'accord. Une obstruction avec le circuit là à droite. Voilà, ça c'est quelque chose qui est plutôt bien aussi pour rajouter un aspect délabré, c'est de rajouter plein de petites vignes comme ça. D'ailleurs, en parlant de délabré, j'ai complètement oublié quand j'ai construit celui-ci que c'était censé être délabré. Donc, c'est quoi? Allez, on va carrément la casser, enfin l'enlever. Toi, on va faire ça. Hop, toi. On va
te faire ça, ce sera très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut enlever ça comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire au toit, tiens? Est-ce qu'on peut enlever? On peut juste enlever ça. De l'autre côté, on va enlever ça comme ça. Ça, je vais quand même l'enlever, je pense. Parce que ça se voit trop de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on peut... Hop, ça, on peut le tourner un petit peu. Voilà. Et bon, moi, je vais terminer ça. Et puis après, il va être temps de s'attaquer au bâtiment là. Sachant que... qu'est-ce que j'ai fait? Oui, d'ailleurs, lui, du coup, je l'ai placé là. Je l'ai finisé là. C'est pas... C'est un peu proche, là, en fait. C'est pour ça que je les repousse un peu. J'ai hésité à le mettre là, mais ça marche pas bien. Donc là, ce sera que de la végétation. Donc là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est globalement un bâtiment là. Peut-être, genre une terrasse là, ça pourrait être pas mal, quelque chose comme ça. Et puis après, bon, bah là, on a pas mal de terra et tout à faire pour la chute d'eau et notre amphithéâtre. Ce que ça donne pour l'instant, c'est plutôt cool. Donc voilà le bâtiment qui est là et l'autre, le nouveau que j'ai construit qui est ici. Du coup, j'ai décidé d'y mettre un petit distributeur de billets en bas et un restaurant au-dessus.
Sachant que pendant la construction, j'ai complètement zappé cette histoire de il faut que ce soit en ruine et tout. Et du coup, je l'ai construit tout et je fais oh, mince! Donc, du coup, je l'ai changé après coup pour le casser un peu. Là, on a cette. Alors, du coup, forcément, c'est chelou, même si la fenêtre se casse la gueule, ce qui est impossible, hein, soyons honnêtes. Il devrait quand même y avoir un trou au-dessus et là, bah, je peux pas le faire, mais c'est pas grave. Par contre, du coup, tout est un peu de traviole, ça rend plutôt bien. De ce côté-là, elle a l'air plutôt pas mal. Ouais, là aussi, admettons. D'ailleurs, là, il faudrait que je fasse quelque chose pour rendre plus intéressant vu que la voiture pèse de ce côté-là. Et du coup, là, j'en ai fait toute une grande place. Alors, il n'y a pas grand-chose. Tiens, d'ailleurs, je pense que je vais rajouter des bancs. J'avais essayé. Enfin, je voulais mettre une boutique ici. Du coup, l'arbre est en train de tomber, mais il est retenu par un échafaudage. Je voulais mettre ouais, une boutique, mais vraiment, ça rendait pas bien. Si je voulais avoir. Comment dire enfin, en gros, ça ressortait de trop. Ça ressortait au moins jusque-là. Et c'était pas joli, je voulais que ce soit un peu plus ouvert. Même si, bon, là, il y a un grand arbre, c'est quand même plus ouvert que ce que ça aurait été. Hop, une poubelle là. Oh, toutes les poubelles sont pleines, c'est fou ça. Et on va en mettre une autre. Bah, peut-être, genre, tiens, juste. Là, très bien. Boum. Ok, donc là, on a toute cette esplanade qui est faite. Maintenant, en fait, alors, le truc, c'est qu'il nous reste beaucoup de végétation à mettre sur toute cette zone-là. Et toujours donc notre amphithéâtre. La végétation, je vais la faire sans vous. L'amphithéâtre, non. Sinon, je sais que je vais avoir des soucis. Non, mais puis, enfin, je veux dire, c'est intéressant à voir. Par contre, moi, ce que je m'étais dit qui pourrait être intéressant à faire, si j'arrive à enfin cliquer sur le bon onglet, merci, c'était pourquoi pas de mettre un chemin ici, en fait. Alors, comment est-ce que j'arriverai à le faire venir? Peut-être de là. Alors, je ne sais pas si ça va me laisser faire. Mais je m'étais dit que ça pourrait être très intéressant. Oh, il va me laisser faire. Oh, sérieux? Trop bien. Je pense que ça pourrait être intéressant d'en avoir un juste et d'avoir un petit espace là. Ou alors est-ce que je. Ou alors non, vous savez quoi? Lui, je le repousse un peu par là. Et je fais une petite place à côté. Avec juste des bancs. Ouais, mais personne n'allait jamais y aller. Ah, mais non, mais je veux mettre un point d'intérêt. Ouais, bah on peut faire ça du coup. Attendez. Donc voilà ce que ça pourrait donner. Oui, on va voir si on fait quelque chose comme ça. Là, c'est sympa. On peut même. Ah non, donc là, j'ai un petit souci de terrain. Mais ceci dit, est-ce que j'ai envie d'avoir une place comme ça? Avec des bancs sur les côtés? Pourquoi pas? Et du coup, là, j'enlève la grille et je fais venir ça, genre comme ça. Ça peut être plutôt cool, ça. Ouais, je pense que ça peut être vraiment sympa. Donc là, on va juste lisser un petit peu plus. Hop, sélectionner grille et. T'es sérieux? Pourquoi est-ce que. Voilà, hop. Voilà, donc là, du coup, j'ai ce que je voulais. Après, à voir si lui, je le veux pas arrondi, à vrai dire. Et. Ou alors, je profite pour mettre dans ce coin-là le point d'intérêt. Alors, du coup, avec quelques bancs. Ben voilà! Bon, c'est une forme un peu chelou. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter au centre. Bah vous savez quoi, on peut rajouter une poubelle au centre et un arbre par-dessus, juste pour éviter qu'il marche à travers. Et là, on peut se permettre peut-être de mettre un gros sycomore. Voilà, bon, on voit un petit peu la poubelle, mais c'est pas grave. Avec. Est-ce que je pourrais remettre un tonneau? Ça marche vachement bien les tonneaux. Voilà, bon, c'est pas parfait avec la poubelle, mais ça leur évitera de se le prendre. On se fait un immense arbre, mais je trouve que ça va, ça gâche pas trop. Lui, en effet, je pense qu'il gagnerait. Allô? Sectionner la grille. Voilà. Il gagnerait à ne pas être carré. Allez. Oh non. Bon. J'ai compris. Des fois, ça veut pas. Ok, donc on a ça comme ça. Et puis, bah, autour, je vais faire plein de végétation sans vous. Et on va faire l'amphithéâtre pour le dernier timelapse de cet épisode. Et on aura quasiment terminé. Enfin, on aura terminé tout ça. Waouh! On a bien avancé dans cet épisode.
Et voilà notre petit amphithéâtre. Alors, on a moins de recul que ce que j'aurais voulu avoir. J'aurais voulu avoir un petit peu plus de place là. Mais du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas, écoutez, si c'est genre l'espèce de Néron qui est un peu taré, pourquoi pas mettre des animatroniques? Alors lui, hein, il fait un peu bizarre là-haut. Mais bon, c'est un monde un peu cassé, un peu fou ici. Donc je trouve que ça va. Et du coup, ouais, donc je trouve que mine de rien de l'avoir cassé un peu partout, ça rajoute beaucoup de caractère. Parce que quand on arrivait avant, je trouvais qu'il était assez plat et sans rien. Donc là, j'ai rajouté voilà, de la végétation. Sachant que ici, vous voyez que c'est pas terminé du tout, parce que je sais pas encore comment viendra la muraille, comment il va s'incruster dedans. Donc j'attends un peu avant de faire cette zone-là. Mais sinon, pour le reste, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour, hop, là-dedans. Alors non, on a envie de... on est où là? Non, non. Voilà, toi tu vas bientôt partir. Et ça nous permet de voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc, ouais, vous savez quoi, on va faire ça, hop. Alors, donc on commence avec, voilà, une petite rotonde sympa. C'est vrai qu'il y a le bâtiment juste là. Bonjour madame. Là, on a une belle vue sur le reste de Rome, sur la chute, sur l'espèce de premier temple ici, sur... Alors, l'Arc de Triomphe, c'est celui de Paris, hein, mais on est... De toute façon, c'est tellement inspiré des Arcs de Triomphe romains que c'est pas grave. Là, ça fait une belle entrée, bien digne pour les enfers. Rouah! Des flammes. Voilà, bon bah ça c'est lugubre, ça dure pas très longtemps. Ici, je trouve que autant ce mur-là, c'est pas grave qu'il soit plat, parce qu'on regarde à droite, autant ici, il faudrait mettre quelque chose, je pense. Là, on arrive et direct, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Avec là, une autre rotonde qui est cassée. Là, ce bâtiment qui est en flammes, etc. Là, voilà. Là, ce que je trouve cool, c'est qu'on voit des gens. Donc vraiment, on passe autour des gens. Là, voilà, on a ce petit jardin, lui, assez paisible. Bâtiment, il n'a pas l'air... Ouais, bon, il n'a pas l'air trop abîmé. Là, du coup, on a cet amphithéâtre qu'on voit pas trop de près, à vrai dire. C'est vrai que je pourrais peut-être essayer de le baisser un peu. Ici, bon, bah, voilà, un petit jardin sans prétention. Le pont, je trouve qu'il rend vachement bien, au final. Là, à gauche, il y a juste des rochers. Et à droite, on a, voilà, le parc qui continue avec le grand arbre et la fontaine. Et ensuite, ici, vous allez voir que c'est une des plus belles vues. Et c'est sans doute celle que je prendrai pour la miniature. C'est que quand on arrive par ici, boum, déjà, on a ce truc qui se lance à des moments clés. Puis si on continue de regarder par là, boum, ça y est, on voit toute la zone, y compris le mont bah, Vésuve quand même. Et non, ça rend super bien de ce point de vue-là. Et puis là, bon, bah, on retourne dans un nouveau petit tunnel. Pareil que je peux peut-être agrémenter avec quelques pierres. Et on revient dans un endroit où tout va plutôt bien, avec le labyrinthe juste là, rempli de gens. Donc voilà! Plutôt content de cette attraction, hein, que je considère comme étant terminée maintenant. Et ça marche vachement bien ça au final. Et vous voyez, du coup, est-ce que j'ai ajouté des choses? Je sais pas, en fait c'est un épisode qui est tellement décousu, il m'a pris littéralement toute la journée. On a quand même fait, enfin on a fait tout ça en un épisode, ce qui est assez gigantesque. Vous habituez pas forcément à avoir autant de choses en un épisode parce que enfin c'était chaud aujourd'hui. Faudrait que je regarde. Je crois que j'ai dû garder être sur Planet Coaster pendant une dizaine d'heures facile. J'ai même pas encore attaqué le montage. Donc à mon avis ça va être très décousu. J'espère que ça vous a plu quand même, que vous avez réussi à suivre le truc. Au niveau de la végétation, il y en a moins que ce que j'aurais peut-être voulu. Mais j'attends de voir ce que j'en pense au fil du temps, j'ai pas envie d'en abuser, déjà pour une question de FPS, hein, vous regardez, ça c'est quasiment que de la végétation, il y en a 76 des trucs, mais aussi principalement parce que je me dis, enfin, ça me paraît bizarre d'être obligé de mettre des trucs partout, on peut juste avoir de l'herbe, ça existe aussi, quoi. Donc voilà, donc on va s'arrêter là, merci à tous de m'avoir suivi, on a terminé, ah non non, non non, non non. Avant, j'ai envie de nommer quand même cette zone. J'ai eu la même idée qui est revenue plusieurs fois. Et dès la première fois, je l'avais notée parce que je l'avais trouvée superbe. Alors, tout le monde ne va pas comprendre, je veux dire, pas dans les gens qui regardent la série, mais dans les gens qui viendraient visiter. Tout le monde ne va pas comprendre de quoi il s'agit. D'où vient ce nom? J'essaie de trouver un panneau qui irait bien. Mais je trouve que ça marche vachement bien. Voilà, donc on va l'appeler Domus Aurea.
qui apparemment est en fait le nom de la de, du palais de Néron. En vrai, voilà, c'est le nom de son palais. Alors c'est un peu chelou parce que c'est pas que ça, on pourrait aussi faire quelque chose avec Pompéi, ça pourrait être cool. Mais voilà, Domus Aurea, et ça résume un peu toute la zone. C'est un peu une zone de folie en fait, c'est une balade dans la folie de Néron. Et j'aime bien le principe. Donc voilà, bon bah écoutez, cette fois-ci, voilà, on se laisse vraiment. Merci à tous d'avoir suivi pour cet épisode. On a fait tellement de choses. On a fait la grande cascade, enfin les petites cascades avec le grand bassin qui est assez cool, autour de laquelle la voiture va. On a fait pas mal de choses dans le parc de manière générale. On a passé plein d'éléments, que ce soit les quelques fontaines, les quelques petits parcs, les espèces de trucs avec les croisillons au-dessus, l'énorme bâtiment qu'on a placé contre le volcan et qu'on a cassé dans tous les sens, avec bah, du coup bien sûr ce volcan hein, de manière générale qu'on a fait, ainsi que toutes la sorte d'esplanade avec le distributeur, le truc mexicain, les toilettes, et pour terminer, l'amphithéâtre que je trouve assez cool et qui colle au thème, même si il me semble que ce genre d'amphithéâtre là ils étaient grecs en fait, ils étaient pas romains. Les romains, je me demande si c'était pas des complètement ronds, auquel cas à vérifier, peut-être que je détruirais juste une partie pour avoir l'impression que c'était rond au départ mais qu'il reste que la moitié. Voilà, en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve très très bientôt pour, vous l'avez attendu tellement longtemps, la zone pirate. Allez, bye bye!